Bonjour YouTube, Maeva et Manava, ceux et celles qui nous rejoignent sur la chaîne, je m'appelle Kevin et aujourd'hui c'est le 7e jour de ce challenge, on est chez notre invité spécial qui est juste là, mais je vous en dis pas plus. Avant de commencer cette vidéo, je vais juste vous laisser faire la visite des lieux et on se retrouve juste après le générique, à tout de suite. Au secours, de retour après la visite. J'espère que le lieu vous plaît, qu'il vous inspire. En tout cas, moi, il m'inspire de fou pour mon retour vers le minimalisme. J'adore les plantes, j'en veux plus chez moi. On est donc chez Julie de Souza, une amie et collègue photographe autoportraitiste. Aujourd'hui, on va passer la journée avec elle. On va tenter de faire des autoportraits. Enfin, je vais tenter de faire des autoportraits. Mais juste avant, je voulais quand même qu'elle se présente avec vous. Et pour éviter un truc un peu pompeux, j'ai prévu des petits textes à trous. Je lui passe le gobelet de la mort. Oui. Ah, j'aime bien, ça va. Le truc que je déteste le plus chez Kevin, c'est qu'il est chiant, qu'il parle beaucoup. Mais sinon, je l'aime beaucoup et il a plein d'idées super et il est gentil en vrai. Ma plus grande passion, c'est la photo. Littérature et voilà. Parfois, je me dis que j'ai pas d'inspi. Puis je lis un livre photo ou de développement personnel et je me dis qu'en fait, j'ai plein d'idées. Voilà. Et la dernière, ma plus grande inspiration en vidéo, ça va être les clips de musique. J'en regarde plein et j'adore ça. Et en photo, ça va être les photos d'art, Instagram aussi, les livres, les clips et un petit peu tout sans que ça ait de rapport forcément avec la photo. Je te propose, du coup, vu que tu as subi un texte à trous, de nous faire subir à moi et à vous un texte à trous. Bonjour, je m'appelle. Sinon, mais elle est stylée. Ok, vous devez répondre à ça. Bonjour, je m'appelle. Bonjour, je m'appelle Kevin. Une fois, je me suis et du coup, j'ai. Une fois, je me suis endormi en cours et je me suis fait réveiller par mon prof qui était devant moi sur la table, comme ça, vraiment comme ça, et qui faisait Kevin. Kevin, et toute la classe me regardait et c'était très 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 malaisant. J'attends vos réponses en commentaire, j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Et nous, on va peut-être commencer parce que ça fait 3 heures qu'on est censé commencer cette vidéo. C'est parti, allez. Bon, en fait, il vous a dit qu'il vous embarquait avec lui, mais vous savez même pas ce qu'on va faire parce qu'il a oublié de vous le dire. Donc, je vais peut-être vous expliquer. Je reçois Kevin chez moi aujourd'hui pour le tester avec les autoportraits, sachant que je fais beaucoup d'autoportraits. Arrête de faire le con. Vous le voyez pas, mais il danse derrière la caméra. Donc, c'est très compliqué de parler. J'ai sélectionné 3 autoportraits que j'ai réalisés ici dans des conditions différentes, avec des lumières différentes, etc. Je vais lui montrer chaque photo une par une, par ordre de difficulté, on va dire. Et je vais le laisser essayer de réaliser son propre autoportrait en s'inspirant de ce que je vais lui montrer, sans lui dire comment j'ai fait. Je vais juste lui donner un petit indice s'il a besoin. Mais après, je laisse faire et il se débrouille et va essayer de réaliser ses propres autoportraits, sachant qu'il n'en fait jamais. On va le laisser gérer ça. Bon, là, t'as rien à faire parce que tu peux le faire directement d'ici. Donc, du coup, t'as juste à cliquer ISO, ouverture, vitesse, j'ai rien à t'apprendre. Et c'est juste... Il n'y a pas plus simple, il pourra pas vous dire que c'était compliqué. Et à la fin, je te dirai comment j'ai fait. Et je sens qu'il y a une douille quelque part, tu vois. Là, juste le petit bouton en haut. Attention, c'est pas ferme au moins. Il fait noir. Il fait tout noir. Wow. Dans le noir. Je suis pas trop écoute. T'avais qu'une seule lumière. J'avais qu'une seule lumière. Non, on va mettre le point chaud. Parce qu'elle m'a dit qu'elle a tout mis en place, mais ça se trouve elle a mis en place avec des pièges, tu vois. Non. Il n'y a pas de piège. Ah mais non. Alors si je peux me permettre,
Après, tu fais ce que tu veux. La photo est en verticale. Ouais, 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 ok, d'accord. Moi, je voulais cropper à l'intérieur, mais bon. Alors, je croppe pas. Tu croppes pas? Non. Ok. Je m'arrange pour que mon cadrage soit propre dès le début. 10 ans plus tard. Non, c'est super dur. Genre, la photo est toute simple. Elle m'a dit, ouais, celle-ci, tu vas la faire ultra vite, je suis sûr et tout, blablabla, blablabla, bla, 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 tu vois les bails, moi. C'est bon. La photo, elle m'a dit, tu verras, ça va aller crescendo. Je suis pas bien. Je suis déjà pas bien, les gars. Je suis vraiment pas bien. Hein. Quand même. J'ai mis 15 minutes. 15 minutes, quand même. Ah oui. Stop, je vous arrête tout de suite ici parce que je suis un gros connard. Effectivement, j'assume complètement le fait. On se donne rendez-vous pour la suite du challenge demain 18h dans la prochaine vidéo. Je vous prépare aussi un petit bêtisier pour me faire pardonner. Vous inquiétez pas. En tout cas, je serais quand même curieux de savoir ce que vous pensez déjà de cette première prestation. J'ai vraiment du mal à parler français en ce moment. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous trouvez que l'exercice est difficile, si vous trouvez qu'il est facile, si vous trouvez que Julie est trop dure avec moi, qu'elle devrait me donner plus de bonbons et plus de... Voilà, vous avez compris l'idée. Elle est présente dans les commentaires, donc si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à lui poser ici ou directement sur son compte. En attendant, moi je vous donne rendez-vous demain pour savoir si oui ou non je vais arriver jusqu'au bout, si oui ou non je vais réussir à faire les deux autres photos qui sont d'un level, tu vois, le truc genre bien plus compliqué que celle-ci, et Dieu sait combien j'ai galéré sur celle-ci. Du coup, rendez-vous demain 18h. Nana. Voilà, je dis ça, je dis rien. De toute façon, tout ça sera coupé au montage. C'est d'une évidence. Mais c'est pas juste. Qu'est-ce qui te... On va pas demander à ce que ce soit juste. Bon, en tout cas, j'attends vos réponses en commentaire. Et puis en attendant, nous, on va aller... Ah, elle est en train de m'attaquer.